Salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 6 de Aptera. Alors je vais pas vous mentir, j'ai cheaté, j'ai triché pour récupérer les perles. Car là je dois partir en vacances une semaine et j'ai très peu de temps pour tourner toutes mes vidéos pour pas qu'il y ait pas de vidéos pendant cette période où je pars en vacances. Donc j'avais pas trop le temps de partir à la recherche des perles, sachant que ça m'aurait pris une ou deux heures vu la cadence de spawn des Enderman. En plus ils nous en donnent pas à chaque coup, donc j'ai triché, au moins je vous le dis, je vous cache rien. Voilà, voilou. Donc allons-y, on va déjà transformer ces perles en œil dans la maison avec la Blaze Powder qu'on a récupérée précédemment. Tac. Elle est où ma Blaze Powder? Elle est là, ma Blaze Powder, on en a 20. Yop. Blaze Powder. Hop, hop, hop. Ça nous en fait 20, excellent. Sinon, mais je pense qu'on est paré pour aller tuer l'Ender Dragon. On a l'épée en diamant, l'armure full diamant, un seau d'eau. On a un arc. Évidemment, l'arc, c'est hyper... On en a besoin. On en a besoin, quoi, l'arc. Avec seulement 38 flèches. C'est tout. Et là, ça va pas être super. Ouais, c'est pas extraordinaire. 38 flèches, c'est vrai que... C'est pas cool. À vrai dire, c'est pas cool, mais bon... On va essayer de détruire le plus rapidement que possible les tours. 38 flèches pour détruire les tours, ça ira, je pense. Mais par contre, après, pour le tuer pendant qu'il est dans les airs, ça va être chaud. Mais pas grave, on n'a pas trop le choix. On verra ça, je ferai sûrement des accélérés, tout ça, pendant l'attaque de l'Ender Dragon. Allez, c'est parti. Je sais que le Stronghold se trouve dans cette direction-là, vu que, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, dans un des précédents épisodes, j'avais jeté une perle pour savoir s'il existait, s'il était sur la map, le Stronghold. Il y est bien, et il est par là-bas. Ok, mais c'est parti alors, on va traverser cette montagne. De part en part, passer par-dessus, littéralement, on est des fous. On pourrait la traverser aussi, mais c'est pas très rapide non plus, donc on va passer au-dessus. Et puis après, une fois qu'on sera carrément de l'autre côté, nous allons jeter une autre perle, et ainsi de suite. En tout cas, on en a besoin de minimum... Enfin, de maximum 10. Mais de minimum, je sais pas combien. Le minimum aussi 10. En tout cas, il nous en faut 10 une fois qu'on sera arrivé au Stronghold. Pour ouvrir le portail. Après, ça se peut qu'il y en ait une ou deux sur le portail. Mais aussi, ça se peut qu'il y en ait 0. Faut faire gaffe. Faut pas qu'on soit piégé par ça une fois qu'on y sera. C'est bon, on a traversé en quelque sorte la montagne. Je redescends ici et on le jette. On la jette. Donc, on a le droit à 10 perles pour rechercher ce Stronghold. Ça sera suffisant. Vu qu'en plus elles disparaissent pas toutes à chaque fois qu'on en jette une. Oula, attention la chute. C'est quoi ça? Oh, regardez ça! Une petite structure! Qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique! Écoutez, nous allons la... J'ai pas de torche? Excellent, j'ai pas de torche! Trop bien, je suis hyper organisé moi comme gars. Attendez, je désactive les shaders. Comme ça, on y verra mieux. Quoique, ouais, on y voit déjà. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre des torches. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Est-ce que c'est le Resurrected Hero qu'on a vu au tout début de l'aventure, dans les spawns? Ça se peut, ça ressemble avec l'étoile d'araignée, tout ça. Ouh, regardez, on a un coffre avec... Avec quoi? Avec rien d'exceptionnel. Redstone lamp. Redstone. Oh, le creeper qui arrive dans le dos. J'adore. Ah oui, j'adore. J'adore le creeper qui arrive dans le dos... Voilà, on ferme la porte. Du coup, il a tout détruit. Oh, le méchant. Mais il avait rien de super. Par contre, on peut brûler le sol pour éclairer. Hop, vous voyez. Bon, on va rapidement visiter ça. Coffre, double coffre avec armure en cuir et épée en pierre. C'est nul. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout, pas la peine. Donc là on peut déjà remonter. Ouais, ça me semble être le Resurrected Hero. L'un des 4 choix de spawn du début. Ouais. Ouais. Ici, ben, il n'y a rien. Et puis ici... Oh, mais ils sont méchants ceux-là. Attendez, regardez, je crame le sol. Sans pitié. Comme ça, il va brûler. Et il a brûlé. Et il brûle. Oh là là. Bon, ici, il n'y a rien, il n'y a rien. On a tout vu là. Bon, on a tout vu. Allez, on sort. Sors de là, comme ça tu vas bien cramer. Et voici un gros océan.
Ça me fait un petit peu peur, l'océan. Parce que s'il faut aller chercher le Stronghold sous l'océan, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voyons ça. Hop. Ah non, non, non. Regardez, c'est juste là. Dans cette direction. Allons-y. Toujours tout droit, en avance d'une cinquantaine de blocs. Donc ça veut dire que c'est dans le coin, vu que j'ai traversé la montagne. Donc ça veut dire que c'est pas très loin. Pas très loin d'ici. C'est bon à savoir. Attention, on le rejette. Oh, il est passé carrément dans la montagne. Ouh. C'est bon, on l'a récupéré. On va monter tout en haut de la montagne pour voir. Hop, hop, hop. C'était plus rapide que ce que j'aurais pensé, cette série. C'est très facile d'aller tuer l'Ender Dragon quand, ben, quand on connaît un petit peu le jeu. Moi, à mes débuts, tuer l'Ender Dragon, c'était vraiment la quête ultime. Mais là, en fait, c'est rien, quoi. C'est nul. Enfin, non, c'est pas nul, mais c'est très facile. C'est quand même plus dur de tuer le Wither. Rien que récupérer les têtes, c'est chaud. Attention! Il est où? Là-bas? Ouh, regardez, regardez, c'est dans le coin, c'est dans le coin. C'est pas très loin. Hop! Oh, je suis monté pour rien. Ok. Il s'est cassé. Hop. Oui, c'est en dessous. C'est juste en dessous. Excellent. Allez, on descend. C'est parti. C'est parti, let's go. Allons-y, les amis. On est parti pour le show. Allons-y, let's go. On est à la couche 76. Descendons en mode safe. Pas tomber directement dans la lave du portail. Ça serait bête. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut que ça arrive. Donc, faut faire gaffe. Parce que là, sinon, bah, on a fait tout ça pour rien. Vu qu'on va perdre l'armure en diamant. On va perdre tout. Tout, tout, tout. Donc, vaut mieux éviter ça. On n'y voit rien, mais on va y voir très bientôt. Allez. C'est très bas. Très très bas. En même temps, on est en hauteur, on est sur une montagne. Ah. Non. C'est juste de la terre. Et nous sommes à la couche numéro 38. Ça devrait pas être bien loin. A priori. A priori, bien sûr. Ouais. Non. Non, à la couche 20. Eh ben, attendez, on va jeter une perle pour voir. Ouh, d'accord, je suis allé trop. Ah, je suis allé trop bas. Je suis allé trop bas. D'accord. Je vois. Donc on remonte. Je me disais, c'est un petit peu trop bas tout ça. Oh, qu'est-ce que tu fais la perle? Oh, calme-toi. Je l'ai récupéré. Attention. Ça se trouve, il a supprimé carrément le Stronghold. Au pire, s'il a supprimé, on va pouvoir le fabriquer nous-mêmes. C'est pas logique, regardez le truc. Il me dit, ben c'est là, c'est ici, et c'est exactement là où on se trouve. C'est quoi le délire? Est-ce qu'il n'y a pas de Stronghold sur cette map? Ou est-ce qu'il a supprimé? C'est possible qu'il ait supprimé. Eh oui. En faisant tout ça. En faisant la montagne et tout. Parce que, ouais, il a enlevé. Alors, vous me permettrez, je me mets juste en créatif pour regarder dans les environs. Pour casser tout. Faut regarder. Mais non, apparemment, ouais, il n'y a plus de Stronghold. Super, une map survival sans Stronghold. J'adore. Ah ouais, mais regardez ça.
Attendez, on va jeter la paire encore une fois, mais non, c'est... C'est ici où on se trouve, c'est là, ici. Mais non, y a pas. Y a pas, y a pas, y a pas. Il n'y a pas. Bon, je fais une ellipse et je vous retrouve juste après pour régler ça. A tout de suite. Re, alors, je nous ai fait un petit stronghold, un petit portail de land improvisé, vu qu'il n'y en a pas sur la map. Alors, si vous ne le saviez pas, moi je le savais pas d'ailleurs, je suis allé voir sur YouTube là. Pour fabriquer un portail de land en dehors d'un stronghold, il faut faire exactement le même qui se trouve dans le stronghold, c'est-à-dire avec de la pierre moussue comme ceci, vous voyez, en carré, dessous, de la lave au milieu, et trois de chaque côté, comme ceci, trois, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc là. Bref, pareil que l'original, et maintenant il ne reste plus qu'à placer tous les yeux, hop 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 hop, et vous êtes prêts? Bim! Et ça marche, ça a bien fonctionné, le portail est créé, et nous allons aller tuer l'Ender Dragon à l'intérieur dans le prochain épisode. Si vous avez aimé celui-ci, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de partager. C'est vrai qu'il a été assez court, mais je peux pas rentrer dans la dimension, sinon le combat va directement commencer, et je vais faire ça en un épisode complet. Allez, pouce bleu, commentaire, partager, c'était Golden, salut tout le monde, et bye bye!